a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que vous portez bien à la maison. Mon nom est Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D. Je suis en co-animation avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nastralomène. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien, même si je n'ai pas dormi, mais ça va bien. Yeah, super! Hey, grosse journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, mon beau Ben? Ce qu'on a fait, on est allé au Truck Stop à Witaniata, Saint-Romuald. Yes! Et on s'est filmé, on a pris des photos devant des grosses vannes de la AEW, devant avoir une dizaine. Yes! Et puis ça nous a permis de nous faire une petite... quelques petites vidéos intéressantes pour vous offrir ça sur les médias sociaux. Donc, nous sommes disponibles sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Donc, aujourd'hui, mon ami, tu voulais qu'on jase de WrestleMania. Déjà 40 ans, c'était déjà 40 ans, mon ami, déjà 40 ans. Il s'en est passé, il en a coulé de l'eau sous les ponts, comme on peut dire. Alors, rentrons vivement dans le sujet. On voudrait parler, on va essayer de passer en revue quelques faits saillants importants, des meilleurs moments de WrestleMania. Donc, vas-y mon ami, on va commencer avec WrestleMania 1, qui est un grand classique qui s'est déroulé au Madison Square Garden de New York le 31 mars 1985. Ouais, le meilleur match, tu veux pas. Ben oui, tu peux en parler. Steamboat contre Matt Bourne, c'était très bon. Ah, c'était excellent ce combat-là. Puis on ne peut pas passer à côté du main event était composé de Hulk Hogan et de Mr. T qui ont affronté Roddy Piper et Paul Orndorff. Et je crois qu'il y avait un arbitre spécial ce soir-là. Hein? Ouais, Mohamed Ali, c'était l'enforcer, je me l'abuse. Oui, c'est ça. Puis, d'ailleurs, Ben, Mohamed Ali sera intronisé au temple de la renommée de la WWE pour le Hall of Fame cette année, le 2024. Donc, ça risque d'être pas pire. Il sera avec quel autre? Il va avoir US Express. Yes! Mike Rotondo et Barry Windham. Tout à fait, qui ont d'ailleurs fait les premiers combats des WrestleMania aussi. Yes! Born in the USA. Yes! Il va avoir aussi une femme, Bull Nakano, être introduit au temple de la renommée. Non, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la game, hein, de la poussière. Il va avoir Paul Heyman, le fondateur de la. Le deuxième fondateur, parce que tu as eu Doc Gordon avant. Oui, d'ailleurs, on l'a interviewé récemment, donc vous pouvez aller voir sur notre YouTube channel. Une belle vidéo avec Todd Gordon qui nous a fait découvrir un peu l'arrière-scène de l'ECW, comment ça s'est passé, et puis sa vie privée, son livre sa bijouterie. Todd is God, sa bijouterie qu'il y avait à l'époque. Quatre générations. Donc, par la suite, revenons à WrestleMania 2 qui s'est passé... dans trois villes différentes, New York, Chicago et Los Angeles. Yes! Le seul WrestleMania qui a été présenté un lundi soir. Oui, tout à fait. Et le seul WrestleMania qui a été présenté aussi dans différentes villes des États-Unis. Oui, exactement. Yes! Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Moi, ce que je retiens, c'est le match par équipe entre les British Bulldogs et la Dream Team, Valentine et Beefcake. Un des meilleurs matchs par équipe des années 80. Oui, tout à fait. Ça avait marqué une génération. Puis, sans oublier le match tant attendu entre King Kong Bundy et Hulk Hogan dans un cage. Le Steel Cage Match. La vieille cage bleue de l'époque, qu'on oublie à certaines époques, mais qui serait vraiment intéressant de ramener éventuellement dans un pay-per-view prochainement pour la WWF. Parce que dans l'air attitude, c'était la même cage, mais elle était noire. Tout à fait. Par la suite, on a eu WrestleMania 3. Qui a marqué l'histoire de la lutte à tout jamais, avec plus de 96 000 spectateurs présents au Pontiac Silverdome. Avec le match de Destiny pour le championnat intercontinental, Randy Savage contre Ricky Steamboat. Qui s'est avéré le match de l'année cette année-là, mais aussi l'un des meilleurs matchs des 40 dernières années. On
va s'entendre. Là. C'est sûr que le main event, c'était André le Géant contre Hulk Hogan. André le Géant, ça faisait 15 ans. Il n'avait jamais perdu en 15 ans 1-2-3 par pinfall. Puis il a passé le flambeau à Hulk Hogan. C'est ça. Parce que la vedette, c'était André le Géant. C'est pas mal à partir de là, là que la vibe Hulkomania a comme... Ouais. Mais reste à savoir, est-ce que c'est à partir de là ou à partir de sa victoire contre Iron Sheik? Ça faisait 3 ans qu'il était champion à WrestleMania 3. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça l'a comme... Peut-être 50% comme Sheik, 50%... Oui, un tremplin, enfin, c'est ça, exact. Ouais. Donc, par la suite, il y a eu WrestleMania 4. Ouais, avec le fameux tournoi du championnat de WWE, on se rappelle que dans le show intitulé The Main Event, yes. André Géant avait battu Hulk Hogan par controverse et avait vendu son titre à Ted DiBiase. Jack Tony, si on peut dire l'ancien general manager de la WWE. Oui, c'est ça, le faux propriétaire. Avait organisé un tournoi lors de WrestleMania 4. Yes. Randy Savage s'est retrouvé en finale contre le Million Dollar Man Ted DiBiase. Yes. Avec une merveilleuse victoire. Avec nul autre que Virgil qui est décédé récemment, ouais. Qu'on va parler un petit peu plus loin là, dans notre fil de WrestleMania. Par la suite, il y a eu WrestleMania 5. Mega Powers Explode. Yes! C'est même pas à discuter là, la grosse période Randy Savage contre Hulk Hogan. Ça l'a fait boule de neige partout à travers le monde. Puis, un beau main event. Quoi. Oui, c'était excellent. Le monde en avait juste pour le main event, on dit. C'est ça. Tout comme l'année d'après, WrestleMania 6 au Skydome de Toronto. Oui. Ils ont mis l'accent pas mal sur Warrior versus... Hulk Hogan. Un match qui ne finit plus, mesdames et messieurs. Ouais. Je pense que ça durera une heure. Là. C'est le premier main event de Face. C'est ça, depuis... Face versus Face. Ouais, c'est ça, de WrestleMania. Oui, tu as tout à fait raison. Et puis, il y a eu le fameux combat de WrestleMania 7 qui opposait le champion de l'époque, Surgeon Slaughter, qu'on a eu récemment en entrevue. Ouais. Dans la saison 4, donc on vous invite une fois de plus à aller sur YouTube et visionner cette vidéo-là qui est vraiment très, très cool. Surtout la question que tu lui poses par rapport au sceptre, le fameux coup de sceptre, ça j'avais été un petit peu fort. Oui, c'est ça. Et, Il y avait Savage contre Warrior aussi, le match de retraite, c'était très bon. Tout à fait. C'est Savage qui fait un face turn en se ralliant avec Elisabeth. Ouais. Ça m'a fait de quoi. C'était moi aussi. Un grand classique, ouais, comme dit, là. Le premier WrestleMania dans Undertaker aussi, excuse-moi de t'avoir coupé. C'est vrai? Il fait jobber Jimmy Snuka. C'est pas très long ce combat-là. Ouais, 3-4 minutes. C'est le deuxième combat? Oh, le 5-6e combat. Oh, 5-6e, ok. Par la suite, il y a eu nul autre que Sid Vicious contre Hulk Hogan à WrestleMania 8. Au Jeux-Dôme Indianapolis. Yes, devant 62 000 personnes, ouais. Quand même. Là. C'était quelque chose de grandiose. Bret Hart contre Roddy Piper, c'était très bon oui, aussi. Oui, oui, oui. Puis je me souviens, je vais juste revenir une mini ouais. WrestleMania avant. WrestleMania 7. Il y a eu aussi Ted DiBiase contre Virgil. Virgil qui avait fait un face turn. Au Royal Rumble. Yes, ça a été le moment marquant de la carrière de Virgil. En 1991, il remporte le Million Dollar Belt. Oui. C'est un titre reconnu, mais c'est quand même. C'est ça. Et puis, par la suite, on était rendu à WrestleMania 9, ami. Ben, WrestleMania 8, il y a aussi Ric Flair contre Randy Savage. Oui, qui a fait beaucoup jaser. Là, je me souviens, Ric Flair était sur la pochette aussi du cover. Tout à fait. Et puis, un show qui a... moi, je trouve que le show a vraiment bien vieilli. Puis, personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. WrestleMania 9. Moi, j'ai trouvé que WrestleMania 9 était excellent. En opener, Shawn Michaels, Tatanka, qu'on a eu une fois de plus en entrevue. Donc, sur YouTube, tout est là. Vous irez faire un tour. Un excellent combat. Il y a eu des bons combats ce soir-là. Il y a eu le Giant Gonzalez face à Undertaker. Ouais, c'est ordinaire. C'était pas un super de bon match. Il y a eu le combat Crush contre Dunk the Clown, ouais, qui était excellent. Il y avait deux dunks jumeaux. Tout à fait. Le Trinkers contre les Styros, c'était quand même bon. Oui, c'était excellent. Sans oublier le combat de Bret Hart face au champion de l'époque, Yokozuna. Bret Hart était champion. Mais l'année d'après, c'est la Yokozuna a battu Bret Hart à cause de Mr. Fuji. Et puis Hulk Hogan est venu faire le safe à la fin, il a remporté le... Il a volé le spot à Bret Hart, on va ouais, dire ça c'est de même. Ça, tu sais, c'était un peu poche, là, puis ça fait encore boule de neige aujourd'hui, là, tu sais, après toutes ces années. WrestleMania 10, oui. Ou MSG, l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Avec le grand opener entre
Bret Hart et son frère, le défunt Owen Hart, un excellent combat pour ouvrir le spectacle qui était présenté au Madison Square Garden de New York devant plus de 20 000 personnes. Rizzo Ramon contre Sean, match échec. Un ladder match, oui. Puis Earl Hebner était l'arbitre de ce combat, si je ne m'abuse. Il y a eu aussi le fameux combat Macho Man contre Crush. Ah, ben oui, il attache le pied. Oui, c'était quand même très. C'était bien rodé. Et puis, ben, sans oublier le fameux rematch entre Yokozuna et Bret Hart pour le championnat de la WWF. On parle d'ailleurs dans le spécial de Yokozuna, tu sais qu'il arrive à faire le bonsai drop, il tombe, puis il fait un 2-3. Il a fait la même chose avec Austin dans le Fall de SummerSlam 96. Ben oui, exact. Par la suite, il y a eu le WrestleMania 11 qui... oui, il y a eu quelques moments des bons faits saillants. Entre l'ancienne vedette de football pour l'équipe des Giants, New York. Des Giants, c'est ça, contre Bam Bam Bigelow, la bête de l'Est. Il y avait eu Shawn Michaels contre Diesel, c'est quand même pas si fou. C'était excellent ce combat-là. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre combat aussi? Ah, un match de soumission de Bret Hart puis Bob Backlund. Oui, 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 c'est vrai. Yokozuna avec Owen Hart avec son partenaire Mister Yokozuna contre les Smoking Guns, c'était quand même pas si fou. C'était excellent, tout à fait, tout à fait. Razor Ramon contre Jeff Jarrett, c'était quand même bon. Yes. WrestleMania 12, ensuite, c'était à Anaheim. Ouais. Ben, il y a eu le fameux Iron Man match de 60 minutes entre Bret Hart et Shawn Michaels. Bret Hart était champion à l'époque ouais. aussi. Ils ont fait des énormes combats, ces deux-là. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais tu sais... Pour deux gars qui se détestaient, la chimie était bonne. Sans ceci suivi du fameux scandale du Montreal Screwjob au Survivor Series plusieurs années par la suite. Pour les fans de Steve Austin, c'est le premier WrestleMania de Steve Austin contre Savio Vega. Tout à fait, tout à fait. Disons contre Undertaker, ça avait de l'allure aussi. Ouais, ouais, c'était excellent. Hey, soyez fous, là. Hey, tu fais un Tombstone et un gars de 6 pieds 10, là. 6 pieds 11. Là. Ah ouais. Ah ouais, ça paraît qu'il y avait une tête plus grande qu'Undertaker. Ah oui, c'est là. Sûr. Ah, mais c'était bon. Par la suite, il y a eu... Sommet 13 au Roseman Horizon de Chicago. Yes! Aujourd'hui, c'est le All-State Arena. Là. Yes! Où il y a eu Psycho Sid contre Undertaker dans un new disqualification match. Par la suite, il y a eu le WrestleMania 14. Ah, mais il ne faut pas oublier Austin contre Bret Hart à WrestleMania 13. Oui, où est-ce qu'il y a eu le Bloodfest du Sharpshooter et il y a eu une campagne de marketing en lien à ça. Je ne sais pas si tu te souviens. Oh, le fameux, le fameux chandail Austin 316. Oui, oui. Tu avais acheté ça chez Loulou quand tu avais 15 ans. Oui, c'est ça. Et c'est ça, il y a eu un double turn. Tu sais, Austin a viré face puis Bret Hart a viré heel. C'est ça, c'est ça. Très bon match. Mais je pense pas que c'était vraiment voulu que Austin vire face cette fois-là. Ben, en tout cas, disons que c'était dans les débuts de leur attitude. Là. Exactement. Il y avait une popularité et il envoyait chez McMahon, en tout cas. Par la suite, ça s'est suivi du match de l'événement WrestleMania 14 qui s'est déroulé à Boston, Massachusetts. Où, en main event, il y a eu la vedette de l'époque, Shawn Michaels. Face, qui était champion à l'époque, là, qui était champion heavyweight, ouais. contre Stone Cold Steve Austin. Avec Mike Tyson comme arbitre spécial. Oui, oui, oui. On se souvient qu'il y avait eu une grosse feud là, à un moment donné à Raw. Où est-ce que... ben, c'était le début de la D-Generation X. Ouais. Et puis, Mike Tyson avait donné un coup de poing au visage à Shawn Michaels. Avoue que c'était bon. Pour ouvrir le show, t'as comme Ichinoluku contre Aguila pour la Light Heavyweight. Pour ouvrir un des meilleurs matchs lightweight de tous les temps. Ben pour ouvrir un show, c'était parfait. Ouais, c'était excellent, c'était combo-là. À retenir, ça a peut-être passé inaperçu, mais moi, j'ai bien adoré. Puis, ouais. Il y a la fameuse Battle Royale au début. Son match contre Brian Christopher aussi, c'était excellent. Ça, c'était à Rush. Quand il avait remporté le c'est lui, Takumi Ichinoku est le premier champion poids léger de la WWE. Ouais, si je ne m'abuse, c'est ça, c'était vraiment là, excellent pour vrai. C'est un tournoi, je pense, qu'il avait fait de mémoire. Là. Ouais, je recheck comme fou, on parle de 97-98. Ouais, ça fait quand même quelques années, mais tout ça pour dire que si vous voulez voir vraiment un bon match de lightweight qui a bien vieilli, je vous invite à regarder. Ça se passait, me semble. Ça devait être à Raw, dans un pay-per-view quelconque. C'était Raw, King of the Ring. Quelque chose du genre. Je me souviens plus. Survivor Series? Je ne sais plus aussi. Non, mais c'est pas grave. Bref, moi, tapez Rook. Sur YouTube Takumi Ichinoku contre Brian Christopher, le fils de Jerry Lawler. Ouais. Vous allez voir, excellent combat. WrestleMania 15 qui s'est déroulé à Philadelphie, l'arena des Flyers, bien entendu. Yes. Devant près de 20 000 personnes une fois de plus. Le monde va se rappeler de la raclée de Bart Gunn.
contre Butterbean. Il avait gagné le fameux Brawl for All. Brawl for All, ça, c'est un fail monumental. Il y a un Dark Side of the Ring là-dessus. Ils disent que c'est un des pires scénarios. Tu sais, il faut que tu penses à la santé des catcheurs, puis là, il se fassait sa gueule pour de vrai. Oui. Mais beau mettre un mouthpiece. Exact. Puis en parlant de santé, est-ce que tu as vu récemment la santé de Butterbean? Il fait pitié, l'homme. Je pense qu'il a fait du DDP. Il est en re-app avec DDP. Il a fait du DDP au groupe, il a perdu du poids pas mal. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est à l'ombre de lui-même. Exactement. Par la suite, ben moi, personnellement, je trouve que WrestleMania qui a mal vieilli, je trouve, c'est WrestleMania 2000. Je trouve que, mais c'est mon opinion. Il faut se rappeler de WrestleMania 15 aussi, que Austin a gagné la strap contre The Rock à la fin. Oui, tout à fait. Et puis, pour WrestleMania 16, ben, c'est déroulé à Anaheim, en Californie. Je ne sais pas pourquoi on dirait qu'en Californie, à Anaheim... WrestleMania 12, c'était quand même pas pire. Oui, c'est sûr. Il y a eu le four-way elimination match pour le championnat. Triple H, The Rock, Big Show puis Mick Foley. Oui, c'est un excellent combat. Celui-là, il était excellent, mais je ne pourrais pas me souvenir, Benoît, des autres combats qu'il y a eu durant cette année. Il y avait un match échelle entre les Hardy, les Dudley et Edge puis Christian. Oui. Il y a eu aussi le Big Boss Man là, et Bill Buchanan qu'on a eu récemment contre le Godfather et D'Lo. La battle Wild Hardcore là, de 15 minutes. Oui. Il y a eu Test et Albert qui ont affronté Al Snow et Steve Blackman aussi. Kurt Angle contre Chris Jericho contre Chris Benoit pour le championnat intercontinental européen. Jericho sort avec le championnat européen et Chris Benoit sort avec le championnat intercontinental. Mais le problème, c'est que Kurt Angle ne s'est pas fait piner par la tête. Non. C'est vraiment il y a des pins entre Benoit et Jericho. Fait que Kurt Angle, il a toujours dit qu'il avait jamais perdu ce combat-là. Tu sais, son rôle de heel. Yes. Puis d'ailleurs, on a une vidéo. Il va y voir une fois de plus sur YouTube. Une vidéo de Kurt Angle, donc voilà. Par la suite, moi c'est un de mes préférés. Ah, j'ai 17 à l'Astrodome. C'était excellent, le WrestleMania. Moi, j'ai une confidence à te faire. L'Astrodome de Houston, c'est mon rêve d'aller là. Il n'est jamais trop tard pour... Parce qu'à cette heure, ça doit être comme un stade olympique. Là. Il doit faire une exposition de char, des affaires de Bigfoot et de motocross. Ouais. Là. Il n'y a plus de game de baseball depuis 2000. Ben non, mais c'est le minute made à cette heure, les Astros. Ouais, je sais. Les Texans, c'est le Reliant Stadium. Un combat qui a bien vieilli, c'est Chris Jericho contre William Regal. Ouais. Il était excellent, ce combat-là. Puis TLC, match... il mange la merde. Et bien TLC. Évidemment, le combat qui nous a fait triper ben raide, c'était les trois équipes, les Hardys, les Dudley et Edge Christian. TLC 2, parce que le premier, c'est en SummerSlam 2000. Ensuite de ça, il y a eu le fameux gimmick Battle Royale qui a été remporté par nul autre que... Le chic de fer. Oui, et pourquoi? Parce que t'es pas capable de sortir du ring. Pauvre gars. Mais c'est exactement ça. Donc, par la suite... Je veux pas dire que mon Undertaker, c'était très bon. C'était excellent. Il y a Austin qui vire heel. On pense qu'on va faire un stunner à McMahon. Ben non, il serre la main. C'est il vire heel contre The Rock. Yes. Par la suite, WrestleMania 18, qui était à Toronto, le deuxième WrestleMania au Sky Dome. En fait, le dernier, celui d'avant était le WrestleMania que le main event était Ultimate Warrior face à Hulk Hogan. Et puis, cette fois-ci, le main event était nul autre que Chris Jericho face à Triple H pour le champion championnat de la Undisputed. Et puis, je ne me souviens pas énormément de ces combats-là. Je me souviens qu'il y avait eu Rock contre Hogan. C'était pas nécessairement le meilleur match de tout le temps, mais c'était un match médiatisé. Qui était très médiatisé. Ah, on parlait pendant 6 mois de test. Qui a malheureusement un peu mal vieilli, mais que c'est Icon versus Icon. Hogan, il avait plus 20 ans non plus. C'est quand même drôle de voir, Ben, que WrestleMania 18, le main event était Triple H et Chris Jericho, mais la couverture de cet événement-là, c'était Hogan et The Rock qui étaient sur la couverture. C'est quand même particulier. T'sais, habituellement, c'est des main events qui étaient représentés, mais cette fois-ci, ben, les gars étaient larger than life, comme on peut dire. Donc, c'est sûr que le main event a un peu passé là, sous le radar, comme on dit. Ric Flair contre Undertaker, Street Fight Match, j'ai quand même bien aimé. Ouais, Spinebuster en Anderson. Oui, c'était cool d'investir, on marquait dans le salon. Par la suite, il y a eu, bien évidemment, WrestleMania 19 devant pratiquement 55 000 personnes. Hein. C'était vraiment grandiose. Et puis, on se souviendra, là,
de des combats mémorables, dont les suites de combats entre Kurt Angle et Brock Lesnar, qui étaient fabuleux. The Rock face à Steve Austin, Hogan contre McMahon. Shawn Michaels contre Chris Jericho, c'était excellent. C'était excellent. Il y a eu aussi le triple threat féminin entre Trish Stratus, Jazz, qu'on a interviewé récemment dans un saison 3, si je ne m'abuse. Saison 2, OK. Trish Stratus, Jazz et Victoria, qu'on connaît bien sous le nom de Lisa Marie Varon, exactement, qui roule un peu sa bosse dans l'indie. Par la suite, il y a eu le WrestleMania 20, mon ami, qui était une fois de plus au Madison Square Garden. C'est quand même drôle de voir à quel point les chiffres ronds se retrouvent à New York, hein, quand même. Hein? Ben, pas cette année, là, mais... Non, mais tu sais, le 10. Ouais, le 20. Le 20. Premier, là. Exact. Donc, ben, le WrestleMania 20, c'est un classique, comme on dit. Oui, l'événement entre Chris Benoit, Shawn Michaels et Triple H, c'était grandiose. Le retour d'Undertaker. Yes. L'opener John Cena contre Big Show. C'était quand même un excellent combat. Ouais. Il y a eu Christian contre Jericho aussi, qui était vraiment bon. Goldberg qui a battu Brock Lesnar en quelques secondes. Guerrero contre Kurt Angle, c'était excellent aussi. Yes, Undertaker contre Kane aussi. C'était ça aurait pu être ce combat-là qui aurait pu être en finale, honnêtement. Là, c'était tellement... La rivalité était tellement forte. Je pense entre autres du Inferno Death, Inferno Match qu'il y a eu. Ils ont eu des grandes rivalités, ces deux frères-là, là, Jacob et... Calloway. Par la suite, il y a eu WrestleMania 21. On va essayer de les passer rapidement parce que ça fait déjà comme 22 minutes qu'on vous jase et qu'on ne veut pas vous perdre non plus. WrestleMania 21, la grande finale, c'était Batista qui avait gagné Royal Rumble et qui avait fait un face turn sur Triple H. C'était excellent. Arrow. Il y a eu, tu m'arrêtes si il devient des faits saillants. Là, on va essayer d'aller un peu plus vite. WrestleMania 22, John Cena, Triple H pour le titre. C'était excellent. Y avait-tu des combats? Le Money in the Bank. Oui. RVD a gagné à WrestleMania 21. Oui, l'un des premiers Money in the Bank, effectivement. Je dirais que le premier, c'était à WrestleMania 21, qui a remporté par Edge. Oui, il y a eu Edge contre Mick Foley aussi. Ouais, ça c'était qui était vraiment très, très bon. Ou est-ce que, si je ne m'abuse, c'est pas là où il y a le Spear avec la table en feu? Oui, c'est ça. D'ailleurs, Mick Foley a annoncé qu'en 2025, présentement, il était en réhabilitation pour faire un dernier combat. Et le combat serait... Nul autre qu'un dead match. OK, puis ça serait contre qui, puis ça serait où? Je ne sais pas. Ça se trouve, ça ne sera pas contre Terry Funk. Non, mais je ne sais pas contre qui. Moi, je pense que ça va être contre Adam Copeland. Ça serait à AEW, peut-être. Ouais, ça se pourrait. Parce que sinon, qui voudrais-tu contre Mick Foley à part Undertaker? Non, c'est sûr. Puis Undertaker ne fera pas de dead match. John Moxley l'a déjà fait, mais il n'y a pas vraiment eu de feud avec Mick Foley. Ouais, mais Mick Foley, c'est ça. T'sais, moi, je pense que Mick Foley va vraiment comme donner à gun puis avoir un adversaire. Faut pas oublier WrestleMania 21, la première fois que John Cena a remporté le championnat de la WWE contre JBL. Tout à fait. Un match sumo entre Akibono et Big Show. Ouais. Ça aurait pu être contre Earthquake. Kurt Angle contre Shawn Michaels, c'était très bon aussi. WrestleMania 23. Ouais, au Ford Field de Détroit. Oui, encore une fois, Détroit... Ouais, il pète des scores. Il pète des scores dans 80 000 personnes. C'était excellent. John Cena, Shawn Michaels, un excellent combat. Mais ça ne battra jamais Undertaker contre Batista. Ça, c'est le match du show. Ouais. Ah oui, ils ont volé le show. Là. C'était vraiment grandiose. Puis l'un des derniers combats de Mr. Perfect à la WWE avant son décès. Non, mais il était mort. Non, Mr. Perfect est au Hall of Fame. Non, Mr. Perfect est mort. C'est vrai, en 2007, c'est le dernier WrestleMania de Chris Benoit, tu veux dire? Oui, le dernier combat, c'est ça. Dernier WrestleMania de Chris Benoit contre MVP. Chris Benoit, c'est ça. Excuse-moi pas, Kurt Henning. Chris Benoit. Kurt Henning, t'as l'offre. Je me suis trompé de nom. Non, t'as raison, c'est un des derniers combats. Ensuite de ça, il y a eu la vague de batch de ECW, là, tu sais, Sabu, Tommy Dreamer, Rob Van Dam, et Matt Stryker, qui n'a jamais vraiment lutté à CW, là, tant que ça. Par la suite... Il y avait le match des milliardaires. Tu sais, Bobby Lashley était avec Donald Trump, puis Umaga était avec Vince McMahon. Puis là, ils ont rosé les cheveux à Vince McMahon. On dit, il rose le sourcil, je ne sais pas trop. Hein. Austin fait un stunner. Oui, ça rentre en compte. Austin a fait un stunner au futur président des États-Unis, imagine-toi. Ça rentre, quand tu penses à ça aussi.
Ensuite, le 24e? Oui, le 24e. Fleur contre Sean. Yes, Fleur contre Sean, où est-ce qu'il dit « I'm sorry ouais, » puis il donne un « I love you », qui donne un coup de pied. C'est très, 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 très cool. C'est très un émotif. Gros classique. Par la suite... N'importe quand, il gagne la World Heavyweight contre Edge. Oui, tout à fait. Ça, c'était excellent aussi. Tout à fait. Ensuite, on est à WrestleMania 25. Triple H, Randy Orton, qui a... c'est un combat comme il a vieilli, honnêtement. Et puis... Houston, ça, ouais, c'est ouais, ça. Oui, oui, oui. Matt contre Jeff. Oui, il y a eu une bataille royale aussi. Ouais, la Miss WrestleMania, je crois. Yes. C'est Santino Marella, là. Santino en gueule, en fille. Il y a eu les deux frères Hardy ouais. qui se sont battus aussi dans un Extreme Rules match. Cena qui a battu Edge puis Big Show pour la World Heavyweight. Tout à fait, tout à fait. Sans oublier, je me répète, mais Undertaker contre Shawn Michaels, c'était un excellent combat. Ah oui, ça, c'est le dessert. Yes. Par la suite, on est rendu à... WrestleMania 26 à Phoenix en Arizona. C'est ça, Shawn Michaels. Ouais, Undertaker. Pour la deuxième fois. Puis là, la stipulation, c'était si Shawn Michaels perdait, il prenait sa retraite et malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Tout à fait, tout à fait. Atlanta, Georgie, pour le WrestleMania 27 de Miss John Cena. Un WrestleMania qu'on peut un peu oublier. Tu parlais qu'il voulait venger Shawn Michaels, mais qui a manqué sa shot. Oui, c'est tout. Comme à WrestleMania 28 l'année d'après. Tu sais, la cérémonie du Hall of Fame était quand même excellente. Il y avait. Sonny, Shawn Michaels, Jim Duggan, Les Road Warriors, Abdullah the Butcher. Mais je ne me souviens pas nécessairement des combats. À part Randy Orton contre CM Punk, ouais. Je ne me souviens pas de tant mais de combats. Mais Undertaker contre c'est bon, mais il y a des longueurs. C'était meilleur à WrestleMania 20. Oui, c'est ça. Par la suite, il y a eu à Miami, en fait. Oui, devant pratiquement un autre record, presque 79 000 personnes. Ouais, Undertaker contre Triple H. Ben oui. John Cena contre The Rock aussi. Aussi. Puis c'était un événement qui était à air ouverte. Ah, ben le Sunlight Stadium, le stade des Dolphins de Miami. Yes. Qui servait au stade des Marlins aussi, mais là, les Marlins ont changé de stade depuis à peu près 7-8 ans. Là. Yes. On est rendu WrestleMania 29. East Rutherford, New Jersey, le stade des Giants et des Jets de New York. Une fois de plus, The Rock contre John Cena. Brock Lesnar contre Triple H, c'était bon aussi. S'il n'aime pas contre Undertaker, ça avait bien de l'allure. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des excellents combats. Fandango qui bat Chris Jericho. Ouais. C'était un excellent combat, c'est juste que, ben, on connaît un peu la. Malheureusement, Fandango s'est blessé. Il était censé commencer à se taper intercontinental, mais il s'est blessé. Il a perdu son push. Malheureusement, ouais. Il a repris ça à NXT. C'est sûr. À vienne que pourra. Par la suite, WrestleMania 30. New Orleans, le stade des... Yes, Randy Orton, Batista, Daniel Bryan pour le titre. La vague de Yes Movement. La première défaite d'Undertaker contre Brock Lesnar à WrestleMania. Tout à fait, quelque chose qui n'aurait jamais dû être fait. Ça, je suis certain que quelqu'un qui était moindrement cardiaque, je suis certain qu'il peut avoir fait une crise de cœur en checkant ça. La patate, elle devait faire cocum, puis là, m'en est toi. Ah non, mais crime. Quelqu'un qui est fan d'Undertaker, même plutôt puis moi, on en revenait. Est-ce beaucoup. Que tu penses que si la WWE, avec le scandale qui se passe en ce moment avec Brock Lesnar, penses-tu qu'il y aurait la décision aurait été différente aujourd'hui? Ah, c'est sûr. Ouais. Ah, ok, fait que là, tu veux pas compter la défaite d'Undertaker? Non. Mais si tu veux parler de Nina, on comptera pas la strap pour Olivier White à Chris Benoit. Ou... Ah non, c'est sûr. T'sais, c'est sûr, là. Faut pas s'arrêter. 31, Santa Clara, California. Ah oui, le stade des Giants de San Francisco. Yes. Seth Rollins qui cache à la fin. Yes. Qui arrive en cours. Hein? Ouais. Sting contre Triple H, un match de vétéran très. Oui, ou est-ce que pour la première fois de l'histoire de la lutte professionnelle, on avait les deux stables les plus importantes de l'histoire de la lutte? La Degeneration X d'un côté, la NWO de l'autre côté. Ben, c'était pour faire une réunion. Entre les deux. Une genre de réunion, ouais, je sais, c'était le moment de mettre la réunion entre les deux. Exact, exact. Puis ça, c'est le genre de combat qu'il aurait dû avoir. Ouais, mais ça, c'est bon. Boucle, mais non, c'est sûr. Alors, Mark Hogan, depuis qu'il avait se traîné non plus, puis Scott Hall, ben, il avait de l'air comme la botte, mais ça. Non, mais il aurait pu juste donner un coup de poing et aller taguer à quelqu'un d'autre. Ah, là, ça aurait fait pareil. Là. Par la suite, 31, on avait parlé de Brock Lesnar, Roman Reigns contre Seth Rollins. Ah, c'est un trio. Ben, Seth Rollins qui est venu encaisser sa mallette. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, il a piné. Il a piné Brock Lesnar. Non. OK. Il a piné Becky Lynch, c'est sûr. Okay. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi le repas préféré à Seth Rollins? J'ai choisi, c'est quoi? C'est quoi? Un muffin aux carottes.
WrestleMania 33. WrestleMania 32. Hey, 32. Hey, Triple H, Roman Reigns, championnat de la WWE. C'était pas pire, ce WrestleMania là. Oui, Shane McMahon qui s'est quelqu'un en bas du Hell in a Cell contre Undertaker. Oui, l'introduction de Sting au Wall of Fame aussi. C'était le 32. Ouais. Le match par équipe entre les Usos et les Dudley Boys, un excellent combat qui a vraiment bien vieilli. Moi, j'adore ce combat-là. Le match de filles, là, Becky contre Charlotte contre Sasha Banks, c'était excellent. Undertaker contre Shane McMahon, c'était ouais. Excellent. Où est-ce que Shane McMahon avait sauté en bas de la cage? Et dois-je le rappeler, c'est le WrestleMania qui a battu le record d'attendance, 101 763 spectateurs. Ouais. WrestleMania 33, les amis! Ouais, à la même place que WrestleMania 24. Orlando, excusez. Yes. Et Roman Reigns qui bat Undertaker à la fin. Deuxième défaite d'Undertaker. Sur Mania 34, maintenant, Brock Lesnar, Roman Reigns, une fois de plus. Ouais, après 5 à 5, c'est normal qu'il ait perdu. Exact. WrestleMania 35. Ah oui, ben Triple H qui bat Batista. Triple H perd, il prend sa retraite. Kofi Kingston qui gagne le championnat WWE contre Daniel Bryan, puis qui la repasse beaucoup plus tard contre Brock. C'est F5 1-2-3. WrestleMania 36, mon Ben. Ça, c'est pendant la COVID. Malheureusement, il n'y avait pas de personne dans la salle. Non, c'était une note. C'est l'événement où il y a eu le moins de spectateurs. Ouais, ben c'est ça. Performance Center. Brock contre Drew McIntyre. Dommage pour Brock, pour Drew McIntyre qui a eu son spot là, mais qui n'avait pas personne. Ouais, malheureusement. Ouais, mais tu sais, il méritait de gagner. Il avait gagné le Rumble. C'était excellent. Yes. Par la suite de WrestleMania 37. Ah, là, il y a du monde tout d'un coup. Oh, 25 000 personnes. Dans le fond, c'était censé être là, WrestleMania 36, mais là, avec la maudite COVID, ben, il avait fait ça au Performance Center. WrestleMania 37, ouais, Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan pour le Universal. Yes, WrestleMania 38, un match qui va avoir mis les Québécois sur la map encore plus que jamais. On se souvient du combat Kevin Owens face à Stone Cold Steve Austin, qui à la base était simplement un ciment. Ouais, c'est une promo, puis là, il commence à parler en mal d'Austin. Austin, c'est ça. Là, il regardait à la foule, je me bats-tu, je me bats-tu pas. Ben, c'est exact. Ça, il était fini Austin, on s'entend qu'il était pas à 100%. Exact. Il voulait finir sa carrière au Texas. Puis... Ça a été fait. Son état natal. Drew McIntyre, Happy Corbin. Ouais, c'était quand même possible. Bianca Belair contre Becky Lynch. Ouais, ça, c'est pas qu'à moi, c'était pas mal le meilleur match. Sami Zayn, Johnny Knoxville. C'était drôle, ça. Edge contre AJ Styles, c'était bon aussi. Yes. WrestleMania 39. Ah, ben oui, les Québécois Owens et Zayn qui battent les Usos dans la première partie. Yes. Ensuite. Et pour terminer. Le maudit Roman Reigns là, qui. T'as encore gardé sa strap. Exact, exact, exact. Et WrestleMania 40 qui se déroule le 6 et le 7 avril prochain au Lincoln Financial Field de Philadelphie. C'est ça? Stade des Eagles de Philadelphie. Oui, c'est ça. Ça va être écœurant. Stade ouvert. On s'attend à quelque chose de grandiose. C'est la 40e édition. Quelques combats. Oui, il y a surveillé. Si Cody Rhodes n'est pas capable de battre Roman Reigns, est-ce que c'est Rocky Balboa qui va le battre? Philadelphie, Rocky Balboa, t'as pas le dessus? Je sais pas, peut-être. Mais ça serait le fun de voir Stallone. Stallone n'a jamais été introduit au temps de la renommée. Non, mais. Ça aurait été une belle opportunité. Oui, mais en tant que spectateur, Krim. Ben, il va être là, c'est sûr qu'il va être là. Krim, Rocky vient de Philadelphie. Exact. Lui, il vient de New York, mais Rocky vient de Philadelphie. Io Sky, la championne féminine, va affronter Bayley, qui a remporté le Royal Rumble. 2024, cette année, une grande surprise. Ça risque d'être fort intéressant. C'est le combat. Bon, on ne sait pas si qu'elle le soirera encore. Ouais, c'est pas encore officiel, mais on verra bien. Rhea Ripley contre Becky Lynch. Elle a remporté le Chamber, c'est ça? Tout à fait. Rhea Ripley qui est en. L'inverse de pente descendante, qui est en montée, qui n'a pratiquement. Pas été battu depuis les dernières années. Bon, c'est Roman Reigns. Oui, c'est ça. J'imagine que Rhea Ripley va conserver une fois de plus son titre puisqu'elle a une stable constituée de l'équipe de Judgment Day. Les amis, on n'oublie pas qu'elle est bien entourée. D'après moi, ça va brasser. Par la suite, il y aura Gunther face au Québécois Sami Zayn. T'en penses quoi de ce combat-là, toi, mon ami? J'aimerais ça dire que Sami va gagner. Pour moi, Gunther, il n'en perdra pas tout de suite. Ah, Gunther, là, c'est le honky-tonk man des temps modernes. Ouais, fait que d'après moi, là,
il garde sa strap, malheureusement. On a parlé juste avant de Judgment Day, mon ami. Ouais, là, c'est un six-pack tag team match, un six-coin, dans le fond. Yes, ils vont affronter, en fait, Kofi Kingston, Xavier Woods, et à mon avis, Judgment Day vont perdre leur titre suite au retour de Big E, qui va faire un clean. Ils sont contre aussi Awesome Truth, la réunion de Miz et de R-Truth. Ils sont contre Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, DIY. Oui, ça, c'est si de Miz est là. Oui, il va être là. Ouais. Là, il reste deux équipes à déterminer, on ne le sait pas encore. Yes, yes, yes. Et les Knights contre AJ Styles, ça devrait laisser personne indifférent, comme on dit. Ça va être un excellent combat. Et puis les frères Ouzos, ah, ben oui. Jay et Jimmy, j'espère que ils vont être placés logiquement dans la carte, soit en opener avant le main event. Ils disent match 5, moi je mettrais Street Fight, ma sœur, en tout cas. Moi j'aurais mis un ladder match. Aussi, mais regarde, ça c'est. Un ladder match, parce que pour que t'étais quoi accroché au plafond, ça. Je sais pas où ça va être. Un contrat de fils de Rikishi, je sais pas. Non, je sais pas, sérieux. Bref, bien des choses qui s'en viennent. Il y aurait Logan Paul contre Kevin Owens contre Randy Orton, Triple Threat pour la US. Qui ramasse ça, Kevin Owens? Je sais pas, man. Logan Paul pour faire chier va gagner, d'après moi. Seth Rollins, Seth freaking Rollins va affronter Drew McIntyre. Est-ce que c'est l'année de Drew McIntyre, selon toi? Ben oui. Oui, je pense qu'il le mérite. Mais malheureusement, là, comme je l'avais prédit, Damien Plus va venir cacher, je suis pas mal certain. Oui, parce que là, ce qui va arriver, c'est comme je t'ai dit, la Judgment Day va perdre des belts. Ils vont falloir qu'ils ramènent d'autres belts. Puis là, ça reviendrait le nouveau leader à faire de la merde, en tout cas. C'est en plein ça! Roman Reigns face à Cody Rhodes. Première soirée. Deuxième soirée, excusez-moi. Et la première soirée, Cody Rhodes face à Seth Rollins. Cody Rhodes et Seth Rollins contre la Bloodline. Excuse-moi. Cody Rhodes, Seth Rollins contre The Rock. Et Roman Reigns. Ben, ça sont impliqués The Rock à WrestleMania. Donc, tu penses quoi de ça? Moi, je pense que ton pet en dit non. Ça veut dire. C'est quoi ce bruit-là? D'après moi, The Rock va briser la Bloodline, la Bloodline comme t'as brisé tes shorts. C'est pas toi qui as chié. Non. C'était quoi ça? Donc, à mon avis, honnêtement, je pense que ils vont séparer la Bloodline. C'était con. La Bloodline va devenir Roman Reigns d'un côté, puis probablement une Bloodline de Rock. Ben, ça, c'est pour, comme la NWO blanche puis la NWO rouge. Ce qui peut arriver, ça, c'est clair que là, si The Rock fait un turn, s'il n'en fait pas, tu me crées une chop. S'il en fait pas, je me mets une paire de shorts sur la tête. Ça se passe pas sur là. Puis si en fait un, je te crée une chop. C'est ça. Mais ça, c'est pour builder SummerSlam. Ben oui, c'est sûr. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre rétrospective des 40 ans de WrestleMania. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais avec Nastralapette. Yes! On se retrouve très bientôt. L'action ne pètera pas. All right, bye-bye!